Resident Evil 2. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passa et on est parti pour... Oui, je sais, c'est très mal fait ce doublage, mais en tout cas, nous sommes partis pour... Une vidéo découverte. Ça faisait longtemps, une petite vidéo découverte sur un jeu récent, Resident Evil 2, qui est à la fois vieux et récent, parce que évidemment, il y a eu un remake il y a peu de temps, 2019 quand même, nous sommes en année 2019, c'est incroyable. Sorti il y a quelques jours sur Xbox One, PS4, PC comme d'habitude et pas sur Switch comme d'habitude. Enfin bref, commençons. Nous sommes sur la version PC. Hop. Et je regarde si dans tous les graphismes tout est bien. Parce que oui, pour ceux qui ont la version PC, faites attention. Il faut énormément de RAM, c'est assez incroyable. Parce que même moi avec ma carte graphique Titan XP de 12 Go, enfin 11 Go 86 d'après le jeu, oh là là, attention, eh bien, c'est compliqué de le faire tourner tranquille. Et j'ai remarqué qu'à partir de ouais 6,71, ça va. Bon. Mais voilà, il y a par exemple graphisme, j'ai testé les qualités, on peut augmenter, on peut mettre jusqu'à... Bon là ils disent que c'est attention jaune orange parce que je suis pas loin des 11 Go et qu'il peut avoir, il peut y avoir des bugs. Mais bref, on peut aller jusqu'à... On peut aller comme ça jusqu'à 8 il me semble. Ben, c'est ça, 8. Et quelle différence? Je n'ai pas vu vraiment de différence. En tout cas, j'ai fait ça dans la station-service, parce qu'on commence dans une station-service. Et voilà. Moi, j'ai vu que il y avait quasiment pas de différence. Je vois pas trop l'intérêt de ce truc-là. Donc on était à 0,5, voilà, c'est très bien, 0,5. Élevé normal. Bon, le reste tout en maximum. Bon, j'ai enlevé le flou cinétique parce que je trouve ça dégueulasse. Ça, c'est cool, on peut enlever le flou cinétique. On peut pas le faire sur PS4. Bref. Oh la baie. Bon, c'est en 4K, mais je vais capturer en 1080p vu ma connexion moisie. C'est déjà un peu trop 1080p pour ma connexion. Nouvelle partie. Et donc oui, nous commençons dans cette station-service. Donc je vais commencer avec Leon Kennedy. Hein. Parce que bon, c'est classique. Et bref, après, bah, je vais vous dire un peu plus sur la série Resident Evil. De ce que je connais moi, parce que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur Resident Evil. On en a fait quelques-unes au début avec Firefly. C'était des défis sur Resident Evil 4. Le mode mercenaries, mais bon. À part ça, il n'y a rien eu d'autre en fait. Ah si, Resident Evil 2 Revelation, attention, sur la chaîne. C'était aussi une vidéo découverte. De 2016, il me semble. Ça date un petit peu. Sur ce, je vous laisse la cinématique et de suite. Si ça veut bien. Ah, c'est bon. Le bouton A, il a tendance à être un peu capricieux. En normal, je prends pas de risque. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. Tu es la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre.
c'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Je crevais. Personne. C'est bizarre. Hein? Voilà, donc nous débarquons dans une station-service. Alors oui, moi, en termes de Resident Evil, eh bien, à la fois je m'y connais, et à la fois je ne m'y connais pas. C'est maléfique. Ok, c'est parce que... pratiquement tous les derniers Resident Evil, à part le 7, je les ai tous faits. Même ce Resident Evil 6, qui était pas terrible, hein, on s'est emmerdé. Mais voilà. J'ai fait le Resident Evil 5, le 4 qui est énorme. Resident Evil. Je fais une bonne partie de Resident Evil 0, qui est un très bon jeu, mais j'avais arrêté il y a un petit moment de cela, parce que j'étais bloqué. Bref, ça fait des années, donc peut-être que je m'y relance. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Resident Evil, il faut que je m'y relance, parce que Resident Evil 1, Rebirth, que j'ai sur GameCube, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai fait une... Je fais à peu près que 2 heures dessus et puis à tout casser. Il y a très très longtemps. Et j'étais bloqué, j'étais môme. J'avais que 10 ans à peine. Oh, y a quelqu'un ? C'était du sérieux. Voilà, c'est le genre de jeu que je dois m'y recoller. Parce qu'en plus c'est des jeux cultes. Donc oui, il y a Resident Evil 3 aussi, Nemesis que j'ai, mais Resident Evil Code Veronica. C'est des jeux qu'il faut que je fasse vraiment, que j'ai depuis longtemps, et que j'ai pas trop touché. Alors certes, ils ont vieilli, hein, mais bon. Voilà, on entend des zombies. Bon, c'est pas du 60 FPS constant, hein, mais bon. Ça va ? Alors, c'est lui qui souffre. Bougez pas, je vais revenir vous aider. Ok. J'ai entendu dire qu'on se faisait poursuivre par une sorte de Némésis dans ce jeu aussi. Un peu comme aussi dans Resident Evil 7 où on se faisait poursuivre par le grand-père là. Arrête de bouger! Est-ce que tout va bien? Reculez monsieur, je m'en occupe! D'accord. Oh, purée. Mais c'est ultra sensible leur stick par contre. De Zeus. Voilà, il est mort. Ah, quand même.
Allez, capote. Un amateur de porno. Ah. La clé. Oh purée, on a encore système d'emplacement. Oh non! Mon terre. Une clé très usée, oui merci. Toujours des commentaires très intéressants, c'est dans les Resident Evil, hein, des fois. Des descriptions. Lui, il se réveille, on sait pas pourquoi. C'est impossible. Deux headshots. C'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, par contre, le jeu, il tourne pas très bien. Hein. Bon, au pire... Ouais, le problème, c'est que si je baisse la résolution, si je mets en full HD normal, et ben, ça risque de planter le logiciel de vidéo, là. Le logiciel de capture. Donc, ça risque d'être pénible. Ouais, bon, en fait, faut juste utiliser la clé. Bon, je trouve ça passe quand même. Entre 40 et 60 FPS. Parfois des chutes de 25, quand même, mais bon. J'espère qu'à l'avenir, il sera mieux codé, hein, mieux programmé, parce que... Ah, c'est quand... Et comment on fait combiner, hein? Qu'est-ce que... Ah, faut le mettre sur les emplacements, là, mais comment? Faut faire combiner et aller sur la flèche, non? C'est pas ça? Pourquoi il louche pas? On est bloqué, c'est génial. Non mais c'est pas cette porte là alors. Y a pas de serrure. Mais. Comme ça. C'est maléfique. Ah bon, on peut trottiner. En appuyant sur le stick. Ah bah c'est là. Ok, les objets on les utilise direct comme ça. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne hein, la clé. Comment elle se met. Bon, on peut pas fouiller les casiers là, comme dans les anciens Resident Evil. Hein. Ah, et aussi j'ai fait Revelation 1 et 2, voilà. En gros. Donc voilà, tous les nouveaux Resident Evil à part le 7, je les ai fait. Putain de merde. Bon, ils sont un peu nombreux. Hop. Et c'est un peu à l'ancienne hein, ce Resident Evil, c'est. On dirige Leon. Assez lourdement. Ah bah tiens, clairé de fil. C'était ma dernière balle, et en plus c'est vrai. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. Elle a été bien redesignée, je trouve. Moi dans les démos j'ai vu que Léon. Et je me suis un peu spoilé en regardant les démos. Ah, il y a les messieurs citronnés, ils ont eu de la chance d'avoir le jeu en avant-première. Enfin la démo. Sur une PS4 Pro. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Et donc comment il a récupéré les clés de la voiture par contre, parce qu'il avait pas cette voiture au début. Ce faux raccord. Bah, il a chopé les clés du cadavre, du flic. Bon. Que je n'ai pas tué d'ailleurs, parce qu'il était zombifié. Une intro à la sauce Resident Evil.
En tout cas, je trouve que le rythme est bien. Ça commence assez vite. Contrairement à beaucoup de jeux actuellement, genre par exemple God of War, que je trouvais très très lent au démarrage. Ou le pire du pire, mais ce jeu-là je l'ai pas, c'est surtout que j'ai suivi en let's play un petit peu. C'est Horizon. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville. Avec Metal Gear Solid 4 aussi. 5. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Ils ont les yeux un petit peu trop lumineux, je trouve, quand même. Le même défaut que Resident Evil 6. Ouais, et puis pour l'instant le jeu est joli, mais c'est pas une baffe technique. Hein. Il y a certaines textures qui sont assez... assez faibles, quoi. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache ! Léo, il faut que tu recules ! Claire, sors d'ici. Allez, vite! C'était le routier de tout à l'heure. Ça va! Accroche-toi! En plus, c'est un camion citerne, comme par hasard. L'apocalypse. J'ai deux balles, c'est très bien. En tout cas, ils sont hyper longs. Comme Resident Evil 2. Hein. Sur GameCube, l'original, sur PSA, je veux dire. J'ai vu quelques vidéos quand même dessus. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas fait. Le commissariat. Allez, on peut ouvrir la porte. Hein. Hop, je slalom là. Oh, ce PGM. Raccoon City, police bien sûr. Mais que fait la police? Bah je sais pas. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a trop de détails, 50 FPS. Oh là. Ah ok. Non? Ici. Un pistolet a volé de nombreux défauts. Hein. Ah ouais, c'est pour couper. Je sais pas, pour couper ça là, et pour pouvoir ouvrir après. Ok. La porte, les grillages. Et c'est quoi qui fait ramer comme ça? Bon. Je vais prendre le risque.
Bon, je prends le risque. Attention! Alors, on va mettre le classique. Oh, on gagne beaucoup de mémoire quand même. Souhaitez-vous couvrir ça? Oui. Un rayon. Ah. Hop, 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 hop. Alias Igland. Je sais pas si ça se verrait dans les captures, mais. Enfin, si, je pense. Mais en tout cas, ça rame plus. C'est très bien. Bon, on va enlever la lasing. C'est complètement live. C'est magnifique. Pop, pop, pof. Ah, du coup, je peux mettre plus élevé. Hein. Enfin, bon. Est-ce que ça va servir, ça? L'aliasing, c'est où? Parce que du coup, je mets jamais d'aliasing en 4K. Ça sert à rien. Et par contre, en 1080p, c'est assez important. Ah, c'est quoi le mieux? FX plus TA, allez hop. Son, le 1080p ne fait pas peur à ma carte graphique, je vais mettre en 3 Go. Est-ce que ça passe? Ah, ça fait vachement flou, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces textures? D'accord. Alors, ça c'est que le jeu est pas détaillé comme ça. Qu'est-ce que... C'est pas très bien organisé tout ça. Je te remets à 1, je sais plus. Bon bah on va continuer comme ça, mais ça fait bizarre. Ça fait pas détaillé quoi. En tout cas, c'est fluide. Hein. Là, c'est sûr. Attendez. Tac, tac. Bon, faut mettre un peu de ça, du coup. Si on met à 180. Ah, bah voilà. Mais c'était ça. Ok. Bah, c'est quand... Ah, d'accord. Je sais pas comment il a été codé, le jeu, mais on est obligé de mettre à 200% pour avoir du 1080p normal, quoi. Là, ça a tendance à ramer. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette version? Ils nous ont pondu encore une version pas très... Ouais. Bon. C'est mieux de plus jouer en 4K. Voilà, pour une fois que un jeu résiste à ma carte graphique, que se passe-t-il? Ça n'est pas possible. Vais-je devoir prendre une RTX 2080? Non. Trop cher. Ok, munition pistolet. Si tu veux. Du coup, comment on recharge? Est-ce qu'on peut recharger direct comme ça en visant? Ah oui, parfait. C'est parfait. En tout cas, le jeu, bon là, il est plutôt propre, ça. Mettons 180%. Et c'est censé faire de l'HDR aussi, hein. J'ai mis l'HDR, mais bon. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y en a. Oh bah ça c'est impossible de deviner. Faut regarder quelque part, avoir des indices. Qu'est-ce que là il y a un bouclier avec ça? Avec un lion. Il faut numéroter ces trucs là, est-ce qu'il y en a un autre? Ça je sais pas. Je ne sais point. Le savez-vous? Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique. Elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de notre ville. Ce bâtiment situé en plein cœur de la ville n'a pas toujours été un commissariat
Il abritait autrefois un musée. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de déesse dans le hall principal, sont les vestiges de cette époque révolue. À quelques rues du commerçariat, blablabla, et bla, et bla. Je pense pas que ça va marcher. Limite, faut l'acheter, la clé. Là. Oh, de l'herbe. Plein de thé verte. Une plante verte native des montagnes, à clé. Arclay, restaure légèrement la santé, c'est parfait. Ah mais non, voilà. Ah, une plante de... Ah non, ça marche pas. Déception. Ah, nous sommes déjà à 25 minutes, il se fait tard et je travaille demain, c'est magnifique. Ah mais, il faut toujours jouer à Resident Evil tard. Si on joue le jour à Resident Evil, voilà, on n'est pas à fond. Ah, le RPD. RPD. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a forcément quelqu'un ici. Il y a forcément Screamer ici. C'est pas bon ça. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Le couloir est. Il faut que j'aille l'aider. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets non ramassés. Voilà, donc salle du gardien, bah elle est là-bas quoi. Mais comment? Il faut que j'aille l'aider, mais je sais pas comment y accéder. On va voir la Vierge Marie. Elle a peut-être la réponse. Je vais mettre une herbe. Non. Ma clé, elle sert plus à rien. C'est pas des trucs à récupérer sur les boucliers, ça? Ça va être un jeu à énigme. Hein. En tout cas... Bon, je pense pas que je vais faire beaucoup plus longtemps la vidéo, parce que... Parce que... L'heure approche, la fin approche. Et ma connexion va-t-elle supporter le 1080p? C'est une question très importante. Et 60 FPS en plus. Ouh là là. Ah bah voilà, la porte elle est ouverte ici. Ah mais non, mais je suis con, je suis déjà allé là, purée, mais c'est pas possible. Et puis de toute façon, ça c'est mort. Ça c'est mort. Ah, bah voilà, dans les casiers, faut fouiller partout. Ah purée. C'est un code. Comment tu veux que je trouve? J'ai entendu un bruit. Je n'ai que mon imagination. Quand il y a des balles là, où je les ai pas vues. Ah par contre il court vraiment pas vite. Hein. C'est, il trottine, il fait son petit trottinage. Trottinage, oui d'accord. Ah il trottine. Voilà. Hop, normalement, hop, 12 balles, ok. 12 balles dans le chargeur. Ah mais je veux les biscuits, je veux les biscuits. Ce sont des petites galettes. Ah j'en veux. Ah je suis désolé mais... Ah je suis bloqué. Voilà. Ça me rappelle Resident Evil 6. Et... Vas-y, là on peut pas couper avec... normalement c'est avec un cutter, mais là on peut se démerder avec la clé, là, je sais pas. De toute façon ici ça sert à rien vu que c'est à gauche. C'est l'ouest. Et nous, on doit aller à l'est. Ah, elle est par là.
Oula, c'est bizarre que ça bouge comme ça. Bon, je sais pas. Attends, et L et R sert à quoi? Ça sert à rien, d'accord. Ah, y a un truc à activer là-bas. Il y a des petits frises quand même des fois. Et j'espère que le jeu il sera plus fluide après, parce que... Là, c'est quand même... Ah mais graphiquement, c'est pas ouf, hein. Il y a des jeux bien plus jolis, et ils tournent bien mieux sur mon PC. Donc, je ne comprends pas. Keep out, barrez-vous. Ok. Ok, bah je me casse un petit peu, je regarde... Non, il n'y a rien. Ah, c'était dans la démo, ça. Ces petits moments de frayeur. On attend un petit peu le jumpscare. Ah, le jumpscare est en retard. Merde, il a pas pris le bon bus ce matin. Ok. J'ai pas les bons trucs. Il me faut un fusible, c'est ça? Quel est ce bruit? Ça m'inquiète. Je vois des sacs de couchage, mais personne dedans. Ça va aller. Cette texture! Et ça donne du mal à ma carte graphique? Non, mais sérieusement. Pas possible. En tout cas, seul jeu qui tourne pas en 4K sur mon PC. Tranquillement. Ah si, il y a Assassin's Creed aussi. Assassin's Creed Origin. Et bon, c'est un open world, donc un peu plus logique. Ça sent le zombie. Hein. Il y a les balles. Et ça sent le zombie après. Non? Tout après. Radio. Et chérie FM. Ça sent le zombie. Hein. Lui va se réveiller là. J'allume. Oh, tu m'as réveillé là. Non? Ça s'est barricadé de toute façon. Ça servait à quoi à part ramasser des balles? Ah, rien. Ouais, on a allumé la lumière quoi. Ah, faut maintenir. Ok. C'est inquiétant. Bon sang. Ok. Comment tu veux ouvrir ça? Oh, vas-y, la clé! Ouvre-moi! Vite! T'es où? Ouvrez cette putain de porte! T'es où? Jean-Pierre! C'est pas celle-là? Bon, c'est une autre. Ah! Vite! Ah, j'espère qu'il n'est pas black! Aide-moi! Putain! Tenez votre main! Vas-y! Ah, il va se faire. Aïe, il va se faire découper en deux. J'ai plus de bassin! Non, je perds tout mon ketchup! Ah, mes saucisses! C'est propre. Chez moi les jambards, les petits jambards. On a notre petit dîner. On va faire une petite grillade. Qui est chaud pour de la saucisse de flic? Ah, Godet, statue. Parking. What out? Ok, oui, les trois médaillons. On a bien compris qu'il faut trouver les trucs. Eh. Ah, d'accord, et c'est sur les différents. Ah, même sur la Vierge Marie.
Faut revenir au hall, quoi. Allez, retourner dans l'hall principal. J'ai tout compris. Ah, purée, le fichtre. Et lui, on peut pas le... Oh, on peut que le sniper comme ça. Alors, je me casse. Vite. Léon, c'est où? C'est par là? Esquive, esquive, esquive. Yeah, 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 yeah. Ah, ça passe pas. On voit rien. J'y vois rien. Vite, le fusil. Non, merde. Passons en dessous. Vas-y, Léon, vas-y. Vas-y. QTA. Ah, on est sauvé. Vu la voix, j'ai peur qu'il soit black. Et merde. Il va mourir. Voilà, c'est la règle d'or dans Resident Evil. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris? Compris. Le couteau de combat. Hop. Ça prend un emplacement aussi, ça. Oh là là, les gars. Sortir une arme secondaire. Ok, ça s'utilise à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne, hein. Bouge pas vite. Ah, je sais. Faut descendre. Et bon, maintenant on peut couper ça. C'est obligé. Voilà. Hop. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier. Ah purée, bon, ça met à chaque fois le menu quand on chope ça. Voilà. Ça risque d'être pénible. C'est vraiment l'ancien. Hein. Attends, par contre, niveau vie, comment on voit la vie? Désolé, je suis un peu enrhumé, mais... Comment on peut voir la vie? Au fur et à mesure des dégâts que vous subissez, votre statut indiqué par le moniteur de santé en bas à gauche de l'écran changera dans cet ordre. Ok, attention au danger. Lorsque vous êtes en danger, soignez-vous avec une plante verte ou un spray de premier secours avant qu'il ne soit trop tard. Ah ok, c'est en bas à gauche. J'appuie sur Y. Bon, je suis ok. On est en normal. Si j'étais en difficile, je pense que je serais déjà en danger. Une fois. Oh. Moi, dans ce genre de jeu, je préfère pas mettre en difficile dès le départ. Hein.
J'ai qu'à subir. Est-ce qu'il paraît en normal? Il est pas si simple que ça. Ah, c'était dans la démo, ça. C'est fait arracher la bouche. C'est beau. La mâchoire. T'as d'empêché bien fait. C'est quoi? C'est dommage parce qu'il y a des textures grossières et des fois il y a des trucs super bien faits. Ah purée. Ça c'est les hunters. Les fameux hunters, ils sont par là. Ou alors une autre créature. Ah les hunters. Dans le 1 ils sont ignobles. Petit zomba qui peut passer. Il ne faut pas tirer, ça va attirer les autres zombards. Il faut être dans Walking Dead là, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, plan du commissariat. Ah purée, ils peuvent ouvrir les portes. De Zeus, il n'y a pas tant de chargement. Je vais tirer. Hein. Oh, désolé, grand-mère. Ah, mais elle fait que de bouger là. Oh, vas-y là. Je la finis. Combat d'infirme. Oh, ça. La planta. Je crois que j'ai utilisé un truc qu'il fallait pas. Et merde. Et dégage. Arrête de me becter là. Vas-y. Ah bien, attendez. Allez, je rêve ou quoi? Je pouvais tout donner des coups de couteau. Ah, je suis déjà en danger. Qu'est-ce que c'est que ce zombie de merde là? Saloperie. Ah, tu l'as dit? De Zeus. Ah, je peux récupérer mon couteau. Ah, mais c'est carrément ça, c'est... On a plus de couteau. Et maintenant, il est abîmé. Il peut se péter. Ah, d'accord. Ah, il est encore en vie. Alors, je crois que c'est moi. Ah, c'est moi. Je fais un petit coup de spray. Alors, on est quand même en attention avec le truc. Avec les plantes, attention. Hein. Ok. Oh là là, c'est mal fait. Pourtant, on n'est pas loin. Mais il suffit de 10 mètres, plus de 10 mètres et frame rate est réduit pour les ennemis. Ah d'accord, pour les animations. Bon lui il veut becter son donut, hein, si tu veux, ou ses chips là. On peut ouvrir ça. Ah il nous a vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette diablerie? Ah d'accord, faut écrire ce... Ouais, faut d'abord que je le tue l'autre. Sinon c'est pas possible. C'est ingérable. Mais il est où? Ah. Il a juste mis du temps. Ah mais ça risque d'attirer les autres, non? On va le finir. On le finit. C'est bon. Pas besoin de flingue. Ok. Très bien. Et donc, nous avons 203. Alors, tac. Il est où le 2? Ah, d'accord. Je suppose que c'est ça. Et il faut trouver le 2, c'est ça? Ah, c'est magnifique. Il faut trouver le 2. 103, ouh, on a ça. Il me semble qu'on peut faire 103. Non, même pas. Ah, oh, purée, les gars. Ah, oh, fichre. Il me semble que certaines touches manquent sur le terminal. Oui, j'ai remarqué. Je conseille aux responsables de trouver les touches de rechange et d'arranger sa fissa. Tu sais ce qui... Tu sais de qui je parle, enfoiré. Qui d'autre aurait pu déglinguer ça?
Ah, puisque moi je les touche là. Alors, weapon locked. Ah, faut que je mette l'arme. Je comprends pas. Non, c'est une carte. Ah oui, non, c'est les armes qui sont bloquées. Donc, oui, un fusil à pompe. Ah, oh, purée. C'est pas possible. Y en a un autre. Ah, par contre, ça rame un petit peu quand il bouge. Oh, la gueule qu'il a, lui. Cette tronche. Ah bah, on va abréger ses souffrances, là, parce que... Il fait pitié. Oh, je crois qu'il est mort, là. Non. Mais c'est une blague. Mais c'est comique. Il est mort, là. Purée. Ça use le couteau à chaque fois, ça c'est chiant. Je savais pas qu'il y avait un système comme ça. Encore un zombie en face. Ah, il y a toujours des zombies. Ah. Attendez. Planche de bois, à quoi ça peut servir? Soyez, ils peuvent servir à barricader. Ah ok, idéal pour empêcher les intrus d'entrer. Regarde, c'est comme ça. Et il rentre pas. Il rentre pas pour de bon, ou alors c'est temporaire. Je pense que c'est temporaire. Donc. L'homme utilisait des plantes pour soigner les maladies depuis longtemps. Ses ouvrages, plantes vertes soignent les blessures. Plantes bleues sont utilisées depuis longtemps contre les empoisonnements. Quant aux plantes rouges, elles n'ont malgré leur beauté aucune effet thérapeutique, c'est du moins ce que l'on pensait jusqu'à récemment. Oui. On savait que la combinaison de plusieurs plantes améliorait les effets. Mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient correctement associées. Voilà, ouais, ça on comprend. En gros, faut combiner une plante rouge avec une plante verte et hop, ça donne une super plante verte qui peut nous soigner complètement. J'ai compris. Voilà, ça sert à rien les clés. Clé de la réserve. Servent à rien les clés de la réserve. Ça c'est pour mettre des objets qu'on a en trop. Ah, et nous avons la fameuse musique, les pellicules contiennent des preuves, ne les laissez pas traîner. Ah, une plante rouge. Combiné. Mélange de plantes rouges et c'est parfait. Un pistolet en polymère, de nombreux défauts l'ont rendu peu adapté pour les civils, les forces de l'ordre, capacité 12 coups. D'accord, en fait j'étais en train de lire mon truc, c'est magnifique. Ah c'est bon, défi, c'est bon. Vous faire quoi là? Ouais bon. Aucune idée de ce qu'il faut faire. Ah mais attendez, c'est pas... Faut pas mettre une plante là? Ah non. On a eu la petite musique de la safe room. Donc nous sommes bel et bien dans la safe room. Et ça c'est bien. Et donc on s'arrête là. On va s'arrêter ici. Je vais choper les trucs. Des munitions, c'est pas mal ça. Et une poudre noire. Poudre noire combinée en deux pour créer des munitions de pistolet. C'est pas mal ça. Oh là, la sauvegarde. Est-ce qu'on est limité en sauvegarde? Je pense pas. Non, c'est bon. Ah, ça sauvegarde vite. Voilà, minute 26. Donc voilà, mon ressenti pour ce début de partie. Bah, est-ce que je serais motivé de faire une deuxième partie? Bon bah, au pire, envoyez ça dans les commentaires. Je suis pas trop pressé pour faire une deuxième partie directement. Après faire la suite, par contre, je vous avouerai que... Bon... Je ferai un effort. Pendant une semaine, j'avance pas et on verra les commentaires. Bon, une semaine, c'est pas beaucoup, quand même. Surtout pour ma chaîne qui a peu de vues. Mais bon. On verra si ça vous plaît. Après...
En faire un let's play, bon, ça va être un peu trop loin parce que déjà j'ai les deux let's play en cours. Bon, ils vont être quasiment finis. Hein. Mais tout de même, il y a l'histoire du Super LoL Saga, machin, enfin vous savez, c'est compliqué. Mais bon, après si ça vous plaît, hein, si ça se trouve, on transformera ces vidéos découvertes en let's play. Hein. On verra bien. Parce que il me semble que ce Resident Evil 2 n'est pas si long que ça. Après, c'est normal, on a deux campagnes quand même. Mais voilà, Resident Evil, généralement, ça dure 10 heures, pas plus. 10-15 heures au pire. Surtout que là, c'est un remake du 2. Donc je pense pas que le 2 était long. Peut-être 5-10 heures, quoi, à peu près. Après, on verra, si ça se trouve, il y aura des surprises. Donc sur ce, bah, moi je suis plutôt content. Je trouve que c'est... Ça a bien plus plu que le début de Resident Evil 7. Après, je vous avouerai que Resident Evil 2, je me suis pas du tout spoilé à part un peu la démo. Mais voilà, après, j'ai pas du tout vu comment ça se passait au début. Et Resident Evil 7, bah, j'ai regardé quand même le début et ça m'avait pas vraiment. Je trouvais ça pas vraiment très intéressant. Ah, je sais pas, ça a un peu changé quoi. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris quelques idées d'anciens RE, mais bon. Ça fait moins heureux, voilà. Puis là, revoir, voilà, forcément, Leon Kennedy, ça marche aussi, hein, la nostalgie, etc. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.